sommes venus chercher la convention de mandat et le titre de propriété de la Seine-Saint-Marc pour la propriété de Goyave. Ce qu'il a promis, ce qu'il a promis de nous remettre et que nous n'avons pas. Nous sommes venus chercher. C'est moi qui ai filmé. Dites à M. Quincel que nous sommes là et que nous l'attendons et que nous ne sortons pas sans ces documents. C'est pour ça qu'il est sorti. C'est pas des gens qui allaient parce qu'ils ont tué. J'ai dit que M. Quincel était là tout à l'heure. Vous l'avez sorti. Vous l'avez sorti. M. Quincel n'est pas encore descendu. C'est pas la peine de nous passer quelqu'un, d'envoyer quelqu'un. On est venu chercher la promotion de mandat et le titre de propriété. On n'a pas besoin de voir d'autres personnes. À la peine d'aller chercher pour nous, ne parlez pas les bafons. Bonjour. 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 Oui, bonjour. Ça va? Vous avez senti un mauvais jour. Hein? Mm-hmm. Et que vous voyez là, ces jours? Vous m'avez souvent? Merci. Peut-être pas moi. Famille Jo. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous orienter dans votre bâtiment? Non, c'est pas possible de nous orienter ailleurs. Nous sommes venus ici parce que nous étions déjà venus il y a quelque temps, d'accord? Et là, on revient pour la même chose. Nous voulons avoir la convention de mandat et le titre de propriété que la Seine-Saint-Marc a eu dans la vente du terrain de voyage. C'est ce qu'on demande. Ça fait 3 semaines qu'on le demande. Le préfet a réagi pour demander à ce qu'on nous le donne. Monsieur, comment il s'appelle? Alain, comment il s'appelle encore? Votre président là, monsieur. Monsieur Alain Michaud. Voilà, monsieur Alain Michaud a dit de nous le donner. Et jusqu'à présent, on ne l'a toujours pas reçu. Donc aujourd'hui, on ne sort pas sans ça. Ensuite, si on vous avait l'intention de nous faire attendre, est-ce qu'on peut s'asseoir tranquillement? Parce qu'on ne va pas rester debout non plus à l'entrée. Est-ce que tous vos quatre il vous suffit de nous donner ce qu'on demande et nous nous pas la langue. Mais si on n'a pas de papier, eh ben, il faut demander aux directions de nous remettre ce qu'il faut. C'est nous-mêmes. Je vous comprends, hein, mais nous, ça fait 20 ans qu'on est dans la galère. Vous m'avez pas répondu. Hein? Je vous ai dit qu'on ne peut pas rester debout à table de M. Quincel. Vous étiez là la dernière fois et vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe et vous savez très bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les responsables de la Seine-Saint-Marc ne prennent pas leurs responsabilités. D'accord? Le préfet a demandé à ce qu'on nous donne les documents. Ça fait trois semaines, on nous mène en bourrique comme si on est des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. Aujourd'hui, la convention... Je vous entends. Non, c'est pas la peine d'essayer de faire de la négociation avec moi, vous n'y arriverez pas. On ne sort pas sans les documents. Donc, nous voulons être assis. D'accord? Je veux vous écouter, mais ça ne sert à rien de prier.
Pas vous pensez comme ça, non. Je vous entends parfaitement, ne brûlez pas. Il n'y a pas de climatiseur ici. Non, madame. Eh bien, dis donc. C'est pour ça que je vous l'ai dit. C'est pas grave.